Bien bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans votre rubrique Espace de couverture pour le compte de votre émission Espace Jeune. Et oui, aujourd'hui on fera escale dans le monde du showbiz nigérian car nous aurons à la découverte d'un jeune artiste, on va dire pétri de talent qui vit, on va dire qui est résident ici au Gabon, qui fait sortir des œuvres, on va dire musicales assez impressionnantes. Sans plus tarder, on aura la découverte aujourd'hui de Mr. Frambi. Et ouais, il est parmi nous ce soir. Are you ready? Let's get it. Money, je suis dans mon fala. Vivre depuis Colocala. I'm the king, I bring the fire. The bitches they love me, je suis over. Money, je suis dans mon fala. Vivre depuis Colocala. I'm the king, I bring the fire. The bitches they love me, je suis over. Money, je suis dans mon fala. I'm rocking Versace and Prada. Believe me, ain't nobody better. We still from the bottom, we up on the ladder. We just rip the heat, it's a banger. We dab it and listen, get manga. We spilling champagne and you know that the money be coming in pounds and dollars. Alors, Fambi, tu es ici à l'émission Espace Jeune via cette rubrique Espace Découverte. Ouais. D'entrée de jeu, c'est très beau, bienvenue à cette rubrique. Merci infiniment. Alors, qui est Fambi pour les mortels qui ne te connaissent pas? D'accord, Fambi est un jeune artiste d'origine nigérienne, en résidant sur le territoire gabonais, et qui fait sa musique depuis un bon bout de temps, qui a eu 2 à 3 titres qui ont marché et qui continue à travailler, qui a été membre de l'ex Cut Family, un label... où il y avait Mams, qui a beaucoup marché, hein, oui, qui a beaucoup marché, parce qu'on a eu des titres comme Effort de paix, comme Mélodie, on a eu des titres comme Mama, qui malheureusement n'a pas été sorti, en fait, n'a pas été mis sur le marché. Ouais. Bon, c'est pas ça, a été une très grande expérience pour moi parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs artistes. Pour moi, ça a été une bonne expérience pour moi et voilà, ça m'a permis aussi d'aller de l'avant. Voilà. Alors toi, tu as cette particularité d'être immergé dans le showbiz nigérian. Ouais. Alors faire du hip-hop ici, ça t'a pas vraiment, on va dire, empêché avec les artistes ou encore avec la musique ici, en fait, n'a pas eu, on va dire quoi, un impact dans tes origines musicales, je vois un peu ce que je veux dire. D'abord, pour commencer, je suis un artiste qui aime beaucoup collaborer. Yep. Je collabore beaucoup avec les artistes gabonais. Je collabore un peu avec tout le monde, en fait. C'est ça qui fait ma particularité. Parce que la plupart de mes titres sont des titres où je suis en collaboration. Yep. C'est pas que je suis pas assez bon pour sortir des trucs moi-même, mais j'estime que collaborer avec des gens apporte un plus dans ta musique. C'est partage, voilà, c'est partage. Parce que oui, j'aimerais que ma musique ait un petit peu de couleur gabonais, un petit peu de couleur nigérien, camerounais, pour que j'essaye de toucher un peu à tout le monde. Mon actu, j'ai un tout nouveau titre avec Zaï Connection. Le clip est déjà prêt. Vous aurez l'occasion d'apprécier le teaser. Et je suis en studio en ce moment. Je travaille sur plein de choses. Et sans oublier qu'il y a le clip officiel de Damon Fala qui sera sur le marché d'ici décembre. Et bon, voilà. Le mois surpassé, j'ai fait sortir mon premier maxi single EP, titré Franchise. Disponible sur Boomplay et d'autres plateformes de téléchargement. On continue à travailler. Exactement. Voilà. Et continue à travailler. Quels sont tes projets à venir, en fait? Bon, pour l'année 2020, je compte sortir mon tout premier album. Voilà. J'ai pas encore de titres en tête, mais je suis en train de travailler dessus. Déjà, quelques morceaux sont déjà prêts, mais bon. J'aimerais faire un album de minimum 15 à 17 titres. Yep. Pour le moment, le combat continue, en fait. C'est ce que c'est. En fait. Voilà. Voilà, on va te dire bon vent dans ta carrière. Et un dernier mot aux nombreuses personnes qui te regardent à travers cette rubrique. Bon, tout ce que j'ai dit à tout le monde, c'est que c'est le temps, en fait. Le temps, c'est le plus grand challenge. Tant que tu es bon dans ce que tu fais, continue à le faire. Parce qu'à la fin, ton temps va arriver. Chacun de nous a son temps. Et ne pas surtout se décourager, baisser les bras et continue à être constant dans ce qu'on fait. Voilà. Et voilà, toujours être constant dans ce qu'on fait. Ce sont les termes de Mr. Frambi. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, certainement pour une autre découverte. Et voilà, on ne va pas laisser Frambi comme ça, car c'est un freestyler hors pair. Voilà. Freestyle, Frambi, you ready? Yeah, okay. Let's get it. Man, je suis dans mon fala. I'm rocking Versace and Prada. Believe me, ain't nobody better. We straight from the bottom, we up on a ladder. We just drop the heat as a banger. We dabbing on this and get manga. We spilling champagne and you know that the money be coming in bundles of dollars. Niggas be hitting them, yep, sorry, yep, sorry yep, for yep, you yep, niggas. Yep. The bundles be popping on top of the charts and I'll never be dropping.